Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur le signe du Gémeaux en tant qu'archétype. Comme à chaque début de saison astrologique, je vous parle du signe en question. Nous avons commencé avec le Scorpion, nous avons ensuite eu le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, le Poisson, le Bélier, le Taureau et nous sommes aux Gémeaux. Donc, cet épisode te concerne si tu es Gémeaux, si tu es Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, peu importe tes placements astrologiques, tu as toujours à tirer et à apprendre de cet épisode, surtout si tu as envie de te former à l'astrologie. Vraiment, ces épisodes, c'est des condensés de tout ce que j'enseigne dans mes programmes, que ce soit ma formation pro, le mentoring astro-intensif. D'ailleurs, réouverture des inscriptions à la fin du mois de juin pour un départ en juillet. Et ma formation pour les personnes qui sont passionnées d'astrologie mais qui n'ont pas nécessairement envie de devenir astrologue, J'aime trop mon signe qui va réouvrir ses portes dans quelques jours. C'est une exclusivité, j'en ai parlé nulle part, ni sur Instagram, ni dans la newsletter. Voilà, j'avais dit prochainement, mais prochainement, ça va être très prochainement, donc d'ici quelques jours, tu peux t'attendre à une ouverture des portes de la formation. Et les portes seront ouvertes pendant une semaine seulement. Donc reste à l'affût si tu as envie de t'inscrire à cette formation. Et du coup, je disais, ces épisodes de podcast sont vraiment des condensés en fait de tout ce que j'enseigne dans ces programmes. Donc évidemment, pour les personnes qui veulent aller plus loin, je recommande vraiment de s'inscrire à une formation. Mais quoi qu'il en soit, ces épisodes de podcast sont quand même toujours très très riches et j'essaye de te transmettre un maximum d'informations dans le temps qui m'est imparti pour enregistrer un épisode. Aujourd'hui, on va parler du Gémeaux en tant qu'archétype. Alors, je parle bien de l'archétype à l'état pur de l'énergie de ce signe. Donc le Gémeaux, signe d'air mutable, gouverné par la planète Mercure, planète de l'intellect, de la communication. C'est un signe qui est là pour juxtaposer, mettre en relation. Donc vraiment ce qui se passe en fait avec le Gémeaux, et je vais autant te parler des zones de lumière de ce signe et des zones d'ombre. Évidemment après, personnellement je crois au libre arbitre, je pense que c'est notre choix et notre responsabilité à nous de nous connecter aux zones de lumière et parfois au côté sombre, mais je pense que c'est toujours intéressant d'en savoir plus et de vraiment comprendre les énergies tant lumineuses que plus sombres, comme ça on peut bien évidemment se rediriger vers la lumière. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce qu'on me pose très souvent une question par rapport au stellium. Donc un stellium, si jamais c'est un amas de plusieurs planètes dans un signe ou dans une maison. Mais en l'occurrence, quand on a un stellium dans un signe, par rapport aux zones de lumière et aux zones d'ombre, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait exactement? Eh bien, ça fait que tu peux potentiellement basculer plus rapidement d'un extrême à l'autre entre la lumière et l'ombre. Quand on a beaucoup de planètes, donc beaucoup d'énergie dans le même signe, on peut plus facilement tomber dans les extrêmes de ce que représente ce signe, d'accord? Donc voilà, c'est en ça que surtout si tu as plusieurs planètes dans le signe du Gémeaux, ça va beaucoup t'aider à mieux comprendre ce signe autant dans la lumière que dans l'ombre pour pouvoir eh bien, choisir de revenir dans la lumière parce que en général, et c'est pas du tout pour dénier les parts d'ombre, hein, parce que bien au contraire, je suis vraiment dans l'acceptation de l'archétype dans toute sa splendeur, hein, dans son entier, autant dans la lumière que dans l'ombre, mais on va pas se mentir, ce qui nous sert plus, voilà, dans notre expérience humaine, c'est d'être le plus connecté aux zones de lumière, aux zones de génie d'un signe, et d'être moins connecté aux zones d'ombre, même si, voilà, on les accepte, on les aime. Bref, je me répète, j'arrête. Donc je disais, le Gémeaux, c'est un signe qui a tendance à se disperser, qui a vraiment cette curiosité insouciante et innocente. Et le Gémeaux, c'est l'art de relier. Donc ça, c'est dû à l'énergie de la planète Mercure, qui gouverne le Gémeaux et la Vierge de façon très différente. Mais ça, on en reparlera aussi pendant l'épisode, pendant la saison de la Vierge sur cet archétype. En tout cas, Mercure gouverne le Gémeaux par sa façon de relier, d'apprendre, de diffuser l'information. Donc c'est un signe qui va avancer un petit peu par là, un petit peu par là, qui va faire des détours et qui va vraiment papillonner, faire des boucles et qui va pas du tout aller droit au but comme le pourrait le faire le Bélier par exemple. C'est vraiment un être qui va transformer la vie en petites aventures et qui va pas avoir peur en fait de tester les différentes possibilités en faisant un petit pas là, un petit pas là, mais pas vraiment en s'engageant dans quoi que ce soit, hein, véritablement, qui va faire des petites découvertes. Et vraiment, il y a quelque chose de très important à comprendre avec cet archétype, c'est que
Le Gémeaux, c'est un enfant, un adolescent, un éternel adolescent émerveillé. Voilà. Donc, c'est un signe qui peut faire preuve de naïveté, qui peut avoir un petit peu cette petite étincelle qui a besoin d'étendre ses relations, de communiquer, de sociabiliser. D'ailleurs, l'invitation hein, de la saison du Gémeaux, c'est aussi d'étendre ses horizons, de sociabiliser, enfin d'étendre ses horizons, c'est plutôt le Sagittaire, mais d'aller un petit peu regarder ce qui se passe autour de nous, de regarder les petites choses, de regarder ce qui se passe, d'observer, de relier, de se lier aux autres aussi. C'est vraiment une saison relationnelle. Alors, le Gémeaux, hein, vraiment, vous le voyez, hein, il y a le symbole des jumeaux. Pourquoi? Eh bien, c'est un signe qui va être à la recherche d'une sorte d'âme sœur, alors pas forcément romantique, hein, mais en tout cas de quelqu'un qui va venir le compléter et qui va abolir la dualité qui le partage et qui le disperse. Donc, c'est en ça, en fait, que... Je ne sais pas si vous avez remarqué pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux, c'est un signe qui aime beaucoup la similarité et la similitude et qui a plus de mal avec la différence. À l'inverse, son signe opposé, le Sagittaire, adore la différence et a peut-être plus de mal avec la similarité. Le Gémeaux, c'est vraiment un signe qui va avoir envie de dire « Ah, toi aussi, t'es comme ça, ah, bah moi aussi !» Voilà, et qui peut peut-être avoir plus de mal, et ça peut être totalement inconscient, à tolérer la différence. Voilà. Et c'est en ça, c'est aussi grâce à ça et avec ça qu'on travaille sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Il y a pas mal d'autres choses évidemment sur lesquelles on travaille sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, notamment la notion de simplicité et de complexité, parce que le Gémeaux, c'est un signe qui est là pour simplifier vraiment, je dirais qu'avec les 6 premiers signes du zodiaque, hein, donc de Bélier à Vierge. Bon après Vierge, on s'approche de on s'approche de quelque chose de plus complexe, mais avec les 6 premiers signes, on est vraiment plus sur quelque chose de simple qui va dans une seule direction. Alors qu'avec les 6 derniers signes, on est vraiment sur des énergies qui vont être plus complexes et même plus multidimensionnelles, je dirais. Et plus on avance, hein, plus on arrive vers une énergie de multidimensionnalité avec le poisson qui est vraiment le point culminant en fait de cette multidimensionnalité qui est un signe qui représente le tout et le rien à la fois, tout comme la maison à laquelle il est associé, la maison 12, qui est une maison qui n'est pas facile à comprendre, sur laquelle j'insiste quand même pas mal dans la formation du mentoring astro-intensif notamment, pour devenir astrologue professionnel, parce que c'est une maison très importante. Bon, elles sont toutes très importantes, hein, il n'y en a pas des plus importantes que d'autres, quoique. Je dirais que les maisons angulaires, on pourrait dire dans la hiérarchie, ont quand même un petit peu plus de poids dans la balance, mais bref, c'est pas le sujet. Cette énergie de maison 12 qui est quand même assez difficile à comprendre. Bref, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, on travaille simplicité, complexité. Le Gémeaux, c'est un signe qui vient simplifier et c'est en ça que je me reconnais aussi beaucoup parce que à travers tout ce que je fais, hein, que ce soit dans les newsletters, les podcasts, les posts, les réels, les stories, tout, tout, tout. J'essaye de simplifier au maximum des notions complexes. Voilà, c'est un peu mon truc. Moi, j'aime parler simplement, j'aime parler franchement. Bon, d'ailleurs, je suis taureau, ascendant bélier, lune en gémeaux. Donc, même si j'ai quand même pas mal de placements en capricorne et j'ai mon maître d'ascendant en poisson, parce que sinon, ce serait pas drôle. Mais j'aime quand même vraiment revenir à des choses faciles, des choses simples, des choses qui vont droit au but. Et j'essaye vraiment de simplifier toutes ces notions astrologiques qui peuvent paraître très complexes, que tu peux lire par exemple dans certains livres. Et moi, j'ai vraiment envie de le rendre accessible à tous. Voilà. Donc ça, c'est autant, je dirais, ma lune en gémeaux que mon Jupiter en maison 3, où j'aime vraiment, bon, j'ai aussi tendance à beaucoup, beaucoup parler. Ça, c'est aussi ce qui ramène ces deux placements à la longueur de mes podcasts, de mes stories, de mon blabla dans la vie quotidienne, n'est-ce pas? Mais j'aime vraiment la pédagogie simple. Voilà. Donc le Gémeaux, c'est aussi un signe qui est diplomate, mais qui n'a pas forcément tendance à arrondir les angles comme son collègue la Balance. D'accord? Donc c'est un signe qui peut expérimenter avec des manières de dire, des manières de faire. Donc on va passer maintenant aux caractéristiques du Gémeaux dans toute sa splendeur et dans toute son énergie. Donc c'est un signe de communication. Voilà, donc c'est des personnes qui sont douées, donc si tu as des placements en Gémeaux. Tu es potentiellement doué pour parler, pour écrire, tu adores lire, tu as besoin de sans cesse recevoir et transmettre l'information. Voilà. Et en fait, on n'oublie pas, hein, Mercure, c'était le messager des dieux, donc il était autant dans les enfers que dans les cieux, et en fait, vraiment, il voyageait comme ça à travers les différents mondes pour vraiment transmettre l'information.
Voilà. Et donc le Gémeaux, il a ses qualités aussi de transmission, à savoir que comment ça se traduit dans la vie de tous les jours, bah peut-être que tu vas lire des livres, écouter un podcast, et en fait, tout de suite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des messages vocaux à tes amis parce que tu as besoin de parler et d'expliquer ce que tu viens d'apprendre. Et le fait d'expliquer ce que tu viens d'apprendre, t'apprends aussi à intégrer l'information. Voilà, donc c'est aussi un signe qui adore lire, qui adore se nourrir, qui adore s'instruire. C'est un signe qui est très intellectuel, c'est un signe de logique à la base, hein. Son énergie mercurienne fait que c'est un signe qui est très très connecté à la tête, à tout ce qui est cérébral. C'est un signe qui peut être sujet, donc suivant les placements, hein, les placements en gémeaux, être sujet à l'anxiété. Parce que qu'est-ce que c'est que l'anxiété au final? Bon, c'est quand même très très complexe, mais pour simplifier tout ça encore une fois, c'est le fait de trop être dans sa tête et d'être bloqué dans sa tête et dans ses pensées. D'accord? Avec le taureau, on apprend à revenir dans le corps, dans le physique, dans le présent. Avec le gémeaux, on est beaucoup beaucoup dans la tête, beaucoup dans les idées. Donc c'est aussi pour ça que c'est un signe qui peut avoir une vivacité d'esprit qui va être... très fulgurante, hein, qui a un sens de la répartie, il va capter l'énergie du groupe et il va vraiment réussir à rebondir sur différents sujets. C'est un signe qui adore apprendre plein, plein, plein de choses sur plein de sujets différents. Donc c'est pour ça que c'est des personnes qui peuvent être très agréables à côtoyer dans un environnement social. C'est d'ailleurs un signe qui a plutôt tendance à être extraverti et qui adore échanger, partager. Voilà, donc il peut aussi être un peu dispersé, bien évidemment. C'est un signe qui peut avoir tendance à se disperser dans plein de sujets, dans plein de passions différentes, et puis au final qui n'approfondit pas vraiment les choses, d'accord? C'est pas un signe de profondeur, c'est pas du tout un signe d'intensité. Le Gémeaux, c'est un signe de légèreté, c'est un signe joueur, c'est un signe qui adore rire, qui adore échanger, discuter. C'est un signe qui nous ramène aussi à, voilà, cette brise d'air fraîche, parce que il y a d'autres signes, hein, bien évidemment, dans le zodiaque, parce que tout est parfait, hein. Je pense que à travers les 12 signes du zodiaque, on retrouve vraiment la complétude de tout ce qui existe dans le monde, et on a autant besoin de profondeur et d'intensité avec des signes comme le scorpion par exemple, que nous avons aussi besoin d'humour, de légèreté, de planer un petit peu, de papillonner, et c'est aussi en ça que c'est un signe qui est très mutant, très drôle, qui adore rire, qui a aussi ce sens de la répartie, qui sait rebondir, etc. C'est un signe qui est extrêmement adaptable, qui sait beaucoup s'adapter à son environnement, mais aussi aux personnes. Donc c'est pour ça que dans un environnement social, c'est un des signes qui est le plus à l'aise. Donc je dirais que de manière générale, les signes d'air sont les plus à l'aise en société, dans les environnements sociaux. Ensuite, nous avons les signes de feu. Ensuite, les signes de terre et les signes d'eau, voilà, c'est... je ne vais pas les classer, mais tout ça pour dire que le Gémeaux, c'est un signe qui est... très 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 adaptable, qui s'adapte aux environnements et aux personnes. Alors après, attention, parce que dans les zones d'ombre, l'adaptabilité, c'est la perte d'authenticité. Donc la question, c'est quand on a beaucoup de placements en gémeaux, c'est d'apprendre justement à ne pas mélanger le fait de s'adapter et de perdre en authenticité. Voilà, c'est vraiment la une des grosses questions, hein. C'est pas la seule, il y en a plein, hein. Mais c'est une des grosses questions, c'est qui suis-je vraiment quelle est mon identité à moi et est-ce que je suis tout le temps en train de m'adapter à ce qui m'entoure? Alors oui, tu vas t'adapter, c'est normal, ça fait partie de ton essence, mais c'est aussi important de savoir à poser tes limites et à savoir aussi qui tu es, à rester ancré dans ce que tu es vraiment toi. Et je pense notamment en relation amoureuse, où on peut avoir tendance à s'adapter à son partenaire. Moi, je sais que je suis très adaptable, j'ai la lune en gémeaux, donc... c'est un archétype qui me ressemble quand même beaucoup à l'intérieur de moi, je le ressens très fort, hein, je ressens très fort cette énergie gémélique que j'ai en moi, et je sais que je peux avoir tendance à beaucoup m'adapter. J'apprends aujourd'hui à, bon après je suis aussi ascendant bélier et j'ai le soleil en maison 1, donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour moi d'apprendre à vraiment rester ancrée dans ce que je suis, ce que je veux, voilà ce qui est important pour moi, mes valeurs, et de pas changer mon discours toutes les 15 secondes, mais voilà. Donc c'est un signe qui peut aussi être très très dispersé, donc autant ça peut être une qualité et autant ça peut être une zone d'ombre, parce que c'est un signe qui ne va pas forcément approfondir et il y a vraiment des moments dans la vie où on a peut-être besoin d'aller en profondeur. C'est un signe qui a beaucoup d'idées, qui est beaucoup dans la tête, mais qui n'est pas vraiment dans l'action directe, ok? Donc c'est pour ça que c'est un signe qui doit aussi apprendre à canaliser son énergie pour réussir à aller dans... voilà, à aller au bout des choses qui lui tiennent à cœur. C'est normal d'aller dans plein de directions différentes parce que ça fait partie de son essence, ok? Donc il va aller explorer plein de pistes,
Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut apprendre à faire des choix. C'est un signe qui peut aussi être très indécis, hein. Apprendre à faire des choix et à comprendre qu'est-ce qui est vraiment important pour lui pour pouvoir, je dirais, continuer. C'est pas vraiment un signe qui va persévérer, on va dire, d'accord? Donc, c'est important qu'il apprenne aussi peut-être à persévérer et à continuer sur une seule route, même si sa dispersion et sa capacité à s'intéresser à de multiples choses font aussi toute la richesse de ce signe, hein, vraiment qui est vraiment un signe qui est très 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 intelligent. C'est des personnes qui ont une richesse et une connexion neurologique très intense. Hein. D'ailleurs, Mercure représente aussi le système nerveux. Le Gémeaux est représenté, c'est marrant, de manière anatomique par les bras. Et c'est des personnes qui peuvent, je ne sais pas si tu as remarqué dans la vie de tous les jours, mais beaucoup parler avec des gestes, à gesticuler, qui sont très mobiles. Voilà, donc les placements en Gémeaux, donc notamment, il y a certains placements comme ascendant Gémeaux ou par exemple Mercure en maison 1 qui peuvent vraiment donner des airs plus jeunes à la personne, à l'inverse des ascendants Capricorne et de Saturne en maison 1 qui peut te donner l'air plus mature. Mais c'est vrai qu'avec le Gémeaux, il y a toujours un petit air mutin, un petit air enfantin, un petit air joueur. C'est des personnes qui sont très drôles, qui adorent jouer, qui adorent rire, qui adorent vraiment s'amuser. D'accord? Donc c'est vraiment un signe qui a besoin de fun. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps s'amuser. Et je sais que c'est quelque chose qui me parle autant parce que j'ai besoin d'ajouter du fun dans tout ce que je fais dans la vie. S'il y a un moment donné où je m'amuse plus, rien ne va plus, d'accord? Donc, que ce soit en travaillant, en cuisinant, j'ai tout le temps besoin de rire. Je sais. D'ailleurs, c'est quelque chose que je partage beaucoup avec mon copain. Bon, lui, il a sa lune en Lion, mais c'est vrai qu'on s'entend quand même bien par rapport à ça. C'est qu'on est tout le temps en train de rire, on est tout le temps en train de faire les cons, et on adore ça, et ça nous caractérise bien. Et je sais que ça me parle beaucoup parce que personnellement, j'ai besoin d'avoir du fun dans ma vie, tout le temps, tout le temps, toute la journée, en travaillant, en cuisinant, en allant au sport. J'ai besoin de tout le temps rire, de tout le temps m'amuser. D'ailleurs, vraiment, j'adore ça. Mais c'est vrai que j'ai aussi ces côtés très profonds, hein, parce que voilà, je suis très sensible. J'aime aller en profondeur, je suis aussi quelqu'un d'assez intense. Franchement, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué, je peux être autant intense que je peux être légère. Voilà, ça dépend de... ça dépend, je suis aussi lunatique, non, je rigole. Mais voilà, donc rire, s'amuser, tout le temps, tout le temps. C'est un signe qui est extrêmement charmant aussi, très sociable, comme je l'ai dit, qui est très agréable à côtoyer. C'est un signe qui a une curiosité intellectuelle. Donc, comme on l'a dit, c'est des personnes qui peuvent être très ouvertes d'esprit. Et c'est aussi sur ça qu'on vient travailler sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. C'est que le Gémeaux, c'est un signe qui va pas forcément chercher la vérité avec un V majuscule, mais qui va plutôt être ouvert à changer d'esprit, qui va être ouvert à découvrir plein de choses et qui va être ouvert à changer d'avis aussi. Donc c'est des personnes qui peuvent aussi changer d'avis très rapidement, n'est-ce pas? C'est pas forcément des personnes sur qui on peut vraiment compter, ok? Donc si t'as des potes qui ont des placements en Gémeaux, qui annulent des plans à la dernière minute ou qui changent d'avis ou qui te disent 5 minutes avant de partir de chez toi « Ah finalement j'ai pas envie d'aller dans ce café-là mais je vais aller dans ce café-là », je me reconnais beaucoup là-dedans. Eh bien voilà, ça fait partie aussi de l'énergie de ce signe, j'essaye moi aussi de me canaliser et d'arrêter de changer d'avis, mais c'est vrai que c'est épuisant parfois. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez si vous avez des placements en Gémeaux, mais des fois ça m'épuise en fait de tout le temps changer d'avis comme ça et en fait de tout le temps questionner. Bon, je suis mon descendant en balance, mais de tout le temps questionner en fait quel est le meilleur choix. Et en fait, vraiment, ça me fait dépenser une énergie psychologique qui est épuisante. Donc j'apprends aujourd'hui à faire un choix, à m'y tenir. Et à arrêter de douter du choix que je viens de faire. Voilà. Et c'est un conseil que je peux vous donner si vous avez des placements en Gémeaux, c'est d'arrêter de douter des choix que vous faites et de juste aller dans une direction. Et d'arrêter de. Parce que c'est aussi de la procrastination, hein. On va pas se mentir, le fait de tout le temps revenir en arrière, changer d'avis, etc. Et ça nous fait perdre du temps et de l'énergie. C'est un signe qui est très curieux, donc il y a une curiosité intellectuelle, comme je l'ai dit, il y a aussi une curiosité. Une curiosité tout court, hein. C'est un signe qui est curieux, qui aime savoir les choses. C'est aussi pour ça que dans ces phases d'ombre, c'est un signe qui peut être voilà, sujet au gossip, à parler des autres, un petit peu d'hypocrisie aussi, on va pas se mentir, c'est la vérité. Voilà, et en parlant de vérité, c'est aussi un signe qui peut avoir tendance à ne pas tout le temps dire la vérité. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé quand j'étais adolescente parce que je mentais tout le temps. Et ça, j'en avais parlé en story sur Instagram parce que j'avais dit à un moment donné que j'avais fait un questionnaire en fait pour apprendre à un peu mieux me connaître. Un des placements que j'ai
eu pas mal de peine à accepter quand je suis tombée dans l'astrologie, c'était ma lune en Gémeaux. Et tout le monde m'a dit, mais pourquoi? Et j'ai dit justement que parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, j'étais très connectée aux phases d'ombre de ce signe. Bon, j'étais aussi connectée au côté lumineux, mais c'est vrai que je mentais énormément. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai capté que j'étais douée pour mentir, je mentais tout le temps. Voilà. Et c'est vrai aussi qu'en grandissant et en me connectant plus à mon ascendant bélier, parce que j'y étais pas connectée avant mon retour de Saturne, hein, ça c'est sûr, et c'est aussi parce que j'ai aucun placement en signe de feu dans mon thème astral. C'est qu'en fait, pour moi, l'authenticité aujourd'hui, c'est une de mes valeurs principales. Et c'est pour ça aussi que j'étais dans le rejet de cette énergie-là, parce que justement, j'avais du mal à accepter que j'ai pu être quelqu'un de pas loyal, quelqu'un qui mentait, quelqu'un qui était faux, en fait, au final. Je dis fausse, parce que je mentais tout le temps. Et en fait, c'est une maladie, hein. Quand on commence à mentir, on se rend compte que c'est facile, que c'est plus confortable de mentir que de dire la vérité. Et voilà, et aujourd'hui je me suis vraiment fait un point d'honneur, hein, il y a quelques années, quand je me suis réconciliée avec ces parts de moi, où je me suis dit maintenant je mens plus jamais. Bon, je dis pas que je mens plus jamais, jamais, mais en tout cas, vraiment je fais le maximum pour vraiment dire la vérité et être honnête, même quand c'est pas confortable. Voilà, et ça, mon ascendant bélier en est ravi. Donc voilà, donc c'est un signe qui peut aussi... avoir un petit peu cette arrogance dans le sens où c'est un signe qui est très intelligent, qui apprend vite et qui peut avoir tendance à juger les personnes qui ont pas la même agilité mentale qu'eux. Le Gémeaux, c'est aussi un signe d'enseignement qui adore apprendre et qui adore enseigner, comme je disais, hein, transmettre l'information. Donc c'est pas un signe qui est lié à l'enseignement supérieur, mais plutôt à l'enseignement de base. Mais en ça, en fait, je dirais que l'association qui a été faite, c'est que c'est aussi un signe qui est très doué pour enseigner, comme je te l'ai dit, qui est là pour transmettre et diffuser l'information. Et je dirais qu'en fait, la différence entre l'enseignement Gémeaux et l'enseignement Sagittaire, c'est qu'avec l'enseignement Gémeaux, comme je le disais, on est dans la simplicité. Donc c'est un enseignement qui va être simplifié, alors qu'avec le Sagittaire, on est dans la complexité. Le Sagittaire, il se délecte en fait de tout ce qui est complexe, alors que le Gémeaux, il aime plutôt les choses simples. Okay, donc les concepts simples où il va vraiment simplifier les choses, même si il peut partir dans tous les sens, ça peut paraître paradoxal. C'est un signe qui peut être un petit peu paradoxal aussi, hein. On va pas se cacher, parce qu'en fait il a tellement de facettes, c'est quand même le signe le plus adaptable et le plus dispersé, parce que c'est non seulement un signe d'air, mais c'est aussi un signe mutable. Okay, donc s'il y a un signe qui a besoin d'ancrage dans le zodiaque, c'est bien le Gémeaux. Voilà, donc comme je disais, c'est un signe qui adore rire, qui adore jouer, qui a une âme d'enfant, qui adore amuser la galerie. C'est un signe aussi qui peut avoir du mal à s'arrêter, qui peut avoir du mal à vivre ses émotions, qui peut avoir tendance à intellectualiser ses émotions, donc lui en Gémeaux, voilà. Intellectualiser les émotions, ou tout le temps réfléchir à pourquoi tu ressens ça, ou essayer de comprendre pourquoi tu ressens les choses, je me reconnais énormément là-dedans. Et c'est un signe qui aime la logique, qui peut aimer tout ce qui est scientifique. C'est un signe qui peut... Il fait partie en fait des signes qui peut un petit peu moins croire en l'astrologie. Voilà, je dirais Gémeaux, Vierge, Capricorne. C'est un petit peu les trois signes dans leur archétype, hein. Je parle pas des signes solaires, ni des signes lunaires, ni vraiment l'archétype à l'état pur, qui peuvent croire moins en tout ce qui est intangible, peut avoir du mal à se connecter à l'intangible, c'est pas du tout un signe spirituel, quoique, évidemment tous les signes sont spirituels à leur façon, c'était un petit peu maladroit ce que je viens de dire, mais je veux dire que dans son essence c'est plutôt un signe qui est lié à tout ce qui est logique, tangible, scientifique, plutôt que énergétique et intangible. Mais évidemment tous les signes connectent à leur spiritualité d'une façon différente, et le Gémeaux ce sera peut-être pas à travers l'énergétique et la méditation, mais ce sera peut-être simplement, enfin c'est marrant parce que j'en parlais avec une amie à moi l'autre jour, et on se disait que la spiritualité c'est tellement plus que juste méditer, faire du yoga ou faire des soins énergétiques ou se connecter à son énergie, mais c'est aussi ça peut être aussi simple en fait que juste être là et comprendre qu'on est ici pour vivre une expérience légère parfois, pour rire, pour s'amuser, et que l'expérience humaine fait que on aime rire, on aime s'amuser, et on peut simplement connecter à sa spiritualité de tellement de manières différentes, et voilà. Enfin bref, évidemment je suis partie dans tous les sens, très 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 Gémeaux.
Et voilà, c'est un signe qui peut aussi beaucoup, beaucoup penser. C'est aussi pour ça que je disais qu'il est sujet à l'anxiété. Le cerveau n'est jamais en off. Je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour de ce signe. Si tu veux en savoir plus, je t'invite vraiment à rejoindre la formation J'aime trop mon signe, réouverture des portes, comme je l'ai dit, d'ici quelques jours. Reste bien connecté, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai tellement hâte de rouvrir les portes parce que vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire quand est-ce qu'on réouvre les portes, j'ai envie de m'inscrire. Et là, enfin, nous allons réouvrir les portes, nous avons amélioré la formation, on a rajouté des quiz, on a rajouté des exercices, enfin, pour rendre ça encore plus fun, parce que comme je te l'ai dit, j'ai besoin de mettre du fun dans ma vie, c'est comme ça. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast et je te souhaite de passer une merveilleuse journée. À très très vite. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller.